Comme en 2020, la Banque des États de l'Afrique centrale, la BDEAC, va procéder au lancement d'un nouvel emprunt obligataire de 100 milliards de francs CFA, selon une annonce publiée le 29 août sur son site Internet. Face à la forte croissance des demandes de financement à la BDEAC, des États et des investisseurs de la CEMAC, la banque annonce la mobilisation courant septembre 2021 de 100 milliards de francs CFA par appel public à l'épargne sur le marché financier de l'Afrique centrale. Cette enveloppe qui constitue la seconde phase d'un plan de financement de 300 milliards de francs CFA sur la période 2020-2022, approuvée par son Assemblée générale en 2020, devrait consolider la promptitude de la banque à répondre aux différents appels de fonds dans le cadre des projets intégrateurs et appuyer la relance économique par un renforcement du financement du secteur privé, informe ainsi la banque sous-régionale. Pour le plan succès de cette seconde phase, le président de la BDEAC, Fortunato Ofa Mbo Nchama, promet le renforcement de l'inclusion financière à travers un nouveau pourcentage de souscriptions dédiées aux personnes physiques ainsi qu'à une meilleure rentabilité. Il invite au passage les ressortissants de la diaspora à souscrire massivement le moment venu afin de bâtir une base solide pour leur retour dans leur pays d'origine, déclare-t-il.